Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Crypt Custodian. Alors, on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois, je suis au niveau de la pointe du démon, on va découvrir donc cette zone, et on va voir ce qui nous y attend. Voilà, c'est quoi ça? Ok, donc là je peux aller là. Ah, nouvelle épreuve. Non, j'aime pas ça, elle est chiante. Vous mourrez un coup, c'est bon quoi. Oui, tu prends un dégât, tu te fais ouvrir, ça va quoi. Voilà, ce qui me permet de créer le raccourci donc vers la zone de glace. Donc ça, du coup, c'est bon. Non, là, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ouais, des ballons là. Ah ouais, d'accord, ok, on en est là quoi. Oh, c'était beau. Ah, je suis pas trop galéré, t'as. Ah putain, merde, il me suit jusqu'au dernier moment, le bâtard. Ah. Ok, je suis quasiment à la fin de la zone déjà ou comment ça marche? Ouah, ça va, franchement, ça va. Alors, on va déjà descendre par là. Et ce problème, c'est que je peux pas y accéder, quoi. Il faudrait que je passe par là et que je passe après par là. C'est là. Attends. Tiens, oui, il me bloque vraiment, genre le passage jusqu'au bout, quoi. Ok. Elle rigolote un peu la zone. Ah, qui c'est ça? Rusty, tu t'y connais en réparation? Peut-être. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de remettre en service les manèges Kendra à couper l'électricité, mais j'ai trouvé un vieux générateur et je l'ai branché. Mais ça ne fonctionne pas. Tu as essayé de donner un grand coup dedans? Non, mais j'aime bien cette idée. Essayons. Ah, d'accord, ok. Ça permet de remettre en marche tous les trucs. Ça a fonctionné. Je suis Rusty, on se croira peut-être sur une des attractions.
Waouh! Allez là-bas! Attends, comment je fais pour aller là-bas? Ah, t'es par là plutôt du coup. Maintenant qu'on a remis en marche ça, il y a de fortes chances. Voilà, du coup, ça me permet de créer le raccourci d'en bas. Pas de problème. Là, il faut que je saute comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Et merde. Pas bouger. Oula, oula, c'est quoi ça? J'aime pas ça. Plus il n'y a plus de plateforme en dessous. Alors, allez, viens là, il en reste une. Ouais, ça va, ça, rien de transcendant. Ah, 10 esprits, trophée. La moitié du chemin. La moitié sont là, quoi. Ah putain, les trucs de coffre là. Voilà. Parfait. Nouvel emplacement d'amélioration trouvé. Nickel. Là, il va y avoir encore des trucs à éliminer, non? Non, des ennemis lambda. Augmente la portée d'attaque. Ok. Par contre, je peux pas descendre là-bas? Non, il fallait passer de l'autre côté pour descendre. Ok, pas de problème. Bon, c'est qu'il faudra que j'ouvre quand même le raccourci, par curiosité. Oula! Je peux pas passer loin du missile, hein? Alors, il y a soit par là, soit par là-bas. Ah, déjà ici par là. Ah,
tes photos. Mes photos. Alors, un matin, son foyer se retrouva sans dessus dessous et elle atterrit dans un endroit sombre. Pêcherette. Donc là-bas on est bon, il n'y a plus rien. Je vais quand même essayer d'aller par là. Dans un premier temps. Oh punaise! Zone de merde! Ah là, les ennemis prennent tarif aussi, d'accord. Bon, ben là, tu passes deux fois au milieu comme ça, je crois que ça ira mieux. Hein. Ah, il y a une photo pas loin, t'es. C'est ce que c'est en train de m'expliquer. Rusty vivait dans une benne à ordures entourée des meilleurs déchets de toute la ville. Ok, 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 donc là ouais. Je réaccède. Eh merde! Ouais, ils sont bien nombreux là. Mais restez loin. C'est mal cette zone pourrie là-haut. J'ai lu sur la brochure qu'il y aurait une attraction qui ne s'arrête jamais. Dis-moi si tu la trouves, les autres attractions ne me conviennent pas. Ok. Il n'y a pas un endroit pour sauvegarder, s'il vous plaît. Je veux juste sauvegarder. Je veux pas mourir et devoir tout recommencer, je vous en prie. Putain, mais je suis revenu tout au début, là. Enfin, début, début, bon, ça va, en soi, c'est pas... Il y a pire, hein, mais... C'est juste qu'il faudrait continuer par là, ou continuer là-haut, mais... Ah ça, ce qui me reste une vie, bon. Allez, chier. Donc je pense que la suite de l'aventure elle se trouve là-bas en réalité, mais j'ai quand même envie d'aller par là, quoi.
Alors. Ah ouais, d'accord, ok, c'est vraiment loin, quoi. Ah ouais, je peux pas y accéder. D'accord. Ah non, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Alors, on reprend la suite. Donc là. Ouais, mais tu passes au-dessus, ça va quoi. T'as pas. Alors, là on est bon, là on est bon. Je peux monter ou aller là-bas. Quand même monter par curiosité plutôt. Ouais, il y a une épreuve là. C'est le first try. C'est le first try. Alors, nickel. Allez, là on est bon. Là on est parfait. D'accord, ok, c'est juste pour créer un raccourci pour accéder là-bas. Ok, d'accord. Allez, bref, ça c'est bon. Alors là, il y aurait une photo. Eh ben voilà, trophée, rusty mémoire. Quand elle retrouva la liberté, elle se trouva entourée de plus de déchets qu'elle n'aurait pu désirer. Ok. Oh, c'est quoi ça? Je crois que c'est l'attraction qui ne s'arrête jamais. Je suis coincé ici depuis 20 minutes. Je pense que l'idée est amusante en théorie, mais en pratique, c'est très ennuyeux. Je veux descendre. Quoi? C'est quoi? Passager d'attraction, qu'est-ce que c'est cette merde? Tout ce que je déteste. Ah, mais ça va, il est rapide, lui, oh. Espèce de fou. Ah, vas-y, toi. Commence à t'envoyer des trucs comme ça. Eh merde. Oh!
Allez, rapproche. Yes. Oh, il était chaud lui un peu. Risky ride. Ouais, je retire ce que j'ai dit, cette attraction est incroyable. Oh bah, c'est moi qui fais tout, et sinon ça va. Je crois que j'ai perdu connaissance quand elle m'a attrapé, mais c'est la montée d'adrénaline qu'il me fallait. Ouais, ah, c'était vraiment quelque chose. Dis, si tu recherches les sensations, je suis en train de regrouper les fantômes pour entrer dans le palais. Tu veux y participer? Si tu me promets le même genre de sensations, j'en suis. Allez, du coup, il m'en restera plus que 3 à récupérer. Ah ben c'est parfait. Pas beau ça. Par contre, j'ai pas une récompense quand même à récupérer normalement. Ah non. Il y a vraiment rien à récupérer. En plus, je veux dire. C'est quoi ces raspias ça là? Attends, je vais quand même aller ouvrir le raccourci parce que ça me plaît pas des masses. Wow, mais attends, comment je fais pour ouvrir le raccourci qu'elle a? Ah putain, de l'autre côté il y a un truc comme ça, ok. Et là, ah comme ça. Oh, que c'est long, c'est long. Voilà, au moins c'est propre, j'ai tout fait, c'est nickel. J'aime bien, ouais, quand c'est carré et tout ça, au moins. Voilà, je veux vraiment, genre, visiter la zone, je sais que je peux y accéder dans son intégralité, j'ai pas de blocage, j'ai rien, je peux y accéder par où je veux, c'est parfait. Du coup, on a récupéré notre troisième nouveau Lascar. Dans l'équipe, on a récupéré un nouveau Lascar. La question maintenant est de savoir où je dois aller pour pouvoir continuer l'aventure. Donc j'aurai une partie en vert ici qui je vois se dessine là, là et là que je n'ai pas faite. Jusque là on est bon. Alors on va repartir de plus ou moins la base du jeu qui est ici. Là j'ai l'impression d'avoir été bon et d'avoir plus ou moins tout fait. Ok. Là, je vois, j'ai une partie en bleu ici, mais bon, j'ai l'impression que ça reste quand même plus ou moins un peu la même zone que la crête néon. Ok. J'ai ça, l'orée, que j'ai pas fait. Il serait peut-être la nouvelle zone à aller découvrir, ici. Peut-être plutôt par là à partir, dans un premier temps. J'ai la zone verte qu'on a dit. Ok. Avant ça, on est bon. Ça aussi, c'est la première zone, le marécage larmoyant. La zone comme ça, le pic des sculpteurs, elle est faite. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. La zone rouge, c'était la réserve. Non, le passage des pierres fongiques, c'est fait. Ça, c'est la réserve. Voilà, ça, c'est la réserve. Je l'ai faite aussi. Normalement, je l'ai faite plus ou moins dans l'intégralité. S'il y a un truc, mais c'est bloqué. Je réfléchis vite fait comme ça, mais je vois pas d'autres zones à part la fameuse zone de l'orée à faire pour la prochaine fois. Ouais, ben la prochaine destination, j'ai l'impression que c'est par là.
Faudrait que... Ah, au fait, un truc. Viens là, toi. Équipé. En disponible 5. C'est pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? L'écrasement crée des projectiles, augmente la portée d'attaque, pas trop mal. La vitesse d'attaque lorsque votre santé est basse, tuer des ennemis crée un gros projectile. Ok, augmente son vue, les attaques spéciales détruisent machin, augmente les dégâts en fonction du nombre de déchets possédés. Foncer sur les ennemis inflige des dégâts, augmente votre vitesse de déplacement. Réduit le coût d'utilisation de l'attaque spéciale de 30%. Les plateformes et marquages invisibles. Pas trop mal pour l'exploration, ça plutôt. Ce que j'avais mis comme ça là, c'était quoi déjà? Pour l'explo, qui est pas mal, c'est ça. Émet un signal lorsqu'un objet non récupéré se trouve dans la zone. C'est pas mal, c'est évite de rater les objets. Pas où. Voilà, ben, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ben, il vous aura plu. C'était pas trop mal, hein, pas trop de difficultés particulières. Voilà, ben, tout first try, hein, mais en soi, c'était pas très compliqué. Faire un peu attention aux attaques un peu du boss et tout, ben, surtout qu'il a tendance à faire des attaques assez rapprochées, assez rapides les unes des autres. Notamment lorsqu'il retombe là sur la plateforme, d'un coup, j'arrive part du côté là où vous êtes, donc il faut vraiment essayer de sauter par-dessus. Les cerceaux rouges là qui viennent vous attaquer et viennent vers vous les uns après les autres, il faut vraiment sauter, mais genre pas s'arrêter de sauter jusqu'à la fin. Après, ça va dans l'ensemble, c'est pas non plus voilà. Après, il y a les tirs des missiles, mais bon, ça va. Je veux dire, c'est pas trop compliqué à éviter. Vous y arriverez, je veux dire, à force de tomber sur des ennemis au fur et à mesure de l'aventure, je veux dire, voilà, ça, c'est le genre d'attaque un peu, on va dire, c'est pas l'attaque la plus difficile qu'il a en sa possession, mais voilà, en tout cas, ça nous a permis de récupérer un nouveau compagnon, et on découvrira la prochaine zone la prochaine fois. Ben, je vous dis à la prochaine, sur ce, ciao, ciao!